n'a pas lutté, il ne s'est pas débattu. Son sang coulait pour ceux de l'époque, mais à l'époque, il t'avait déjà vu. Donc peu importe là où tu as failli test, ta chute ne peut pas être plus profonde que la mort de Jésus. Qu'importe la couleur de ton visage, black, blanc, beurre, Jésus-Christ est pour le métissage. Alors prêche sa parole tous les jours de ta vie, parce que la parole s'est faite chair pour que ta chair devienne parole de vie. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu comprends cela, acclame le Seigneur. Avant de passer à l'autre chose, j'aimerais juste te dire une chose. Le Seigneur a dit, je suis sorti du Père et je retourne près du Père. Cette phrase est terrible. Je veux t'encourager à quelque chose. Cette phrase est terrible. Elle est simple, mais elle est terrible. Romain va nous dire, je crois que c'est Corinthien, je sais plus. Mais un des épîtres va nous dire, Christ n'a point regardé au fait qu'il était l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et est venu sur la terre. Alléluia. Et le livre de Romain va nous révéler que celui à qui a été soumis toute chose est lui-même soumis à Dieu. Vous me suivez? Vous me suivez? Et Jésus va dire, je suis sorti du Père. Mais il ne va pas dire, je ne retourne pas dans le Père. Il dit, je retourne près du Père. Au ciel, Jésus était dans le Père. Vous ne connaissez pas Jésus. Il était dans le Père, tout puissant. Il est sorti du Père. Il est remonté près du Père. Il n'est pas retourné là où il était. Il est venu en tant que homme, 100% homme, 100% Dieu. Il est remonté au ciel en tant que homme dans un corps glorifié. Il a accepté de se dépouiller de sa gloire pour toi. Accepte de te dépouiller de ta vieille nature pour lui. C'est la moindre des choses. Alléluia. Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit, ils ont regardé sur la terre. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont regardé sous la terre qui pouvait payer le prix, il n'y avait personne. Ils ont regardé sur la terre qui pouvait payer le prix, il n'y avait personne. Il a regardé dans les cieux, là où toutes choses sont remplies sur la terre. Il n'y avait personne. Alors il a décidé de se dépouiller lui-même. Parce que ta valeur est la valeur de Dieu. Tu n'as aucune idée de qui tu es aux yeux de Dieu. Ne te méprise jamais. Alléluia. Si je te donne un billet de 100 euros, j'attends à ce que tu me rendes au moins 100 euros. Alors si Dieu a donné Dieu, de récupérer toi homme, il a fait pour que toi homme tu deviennes fils de Dieu, parce qu'il estime que tu as la même valeur. Alors ne te néglige jamais. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais qu'on chante combien Dieu est grand. On peut chanter ensemble. Pendant sa Dieu, la larme à l'œil, parfois avec une voix triste.
car les brisements de Dieu font parfois très mal, et leur pincement de douleur se remplit de mitréma. On se sent seul dans ces déserts, mais t'inquiète pas, il neigera, car comme David était en brousse, Dieu le voyait déjà. À part ce que Christ a dit de toi, prends rien pour argent comptant. N'écoute pas tout, car la foi dépend de ce que t'entends. Parfois le plat viendra de ceux qui se prétendent héritiers, mais sache qu'on peut être vrai sans l'esprit de vérité. Tu peux expliquer ça? Quelqu'un permet que j'explique cela? On peut être vrai sans l'esprit de vérité. La vérité ne consiste pas à dire ce que tu penses ou ce que tu vois. La vérité, c'est Jésus. Or, Jésus est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Ça veut dire que toute vérité que tu dis doit réconcilier le cœur de la personne à qui tu t'adresses avec Dieu. C'est pourquoi je dis, on peut dire la vérité sans opérer avec l'esprit de vérité. La preuve, le diable dans le jardin d'Éden a dit à Adam et Ève, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Est-ce qu'il a menti? Dans les faits, non. Mais en réalité spirituelle, il a menti, parce que ça n'a pas conduit à ramener le cœur d'Adam et Ève vers Dieu, mais ça a conduit à les éloigner de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'on peut opérer avec, on peut dire la vérité sans l'esprit de vérité. Alors cherche à opérer dans la vérité. J'ai dit, ceux qui te blâment sont souvent ceux qui se prétendent héritiers. Parce que malheureusement, quand un frère chute, quand un frère tombe, qui est déjà chrétien, qui est déjà fils de Dieu, on va l'accuser, on va l'injurier, on va le rejeter. Mais quand quelqu'un du monde, qui n'était même pas fils, va pécher, va venir, on va l'accueillir à bras ouverts. C'est un paradoxe. Il faut accueillir tout le monde de la même façon. Alléluia. Opérons dans la vérité. Alléluia. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu n'a pas un cœur de pierre. Il brise jamais le roseau cassé, mais le redresse avec un cœur de paix. Quant à tes erreurs avec tout le reste, c'est déjà caduc, car Dieu t'avait déjà choisi bien avant que tu naisses. Même dans la maladie, il sera ton salut. Oublie le 15 en cas d'urgence, Christ sera ton salut. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, et parle de Jésus plus que toute autre cause. Frérot, sœur, ça sert à rien honnêtement de faire semblant. Si au final c'est pour se retrouver devant le Père tout tremblant, à quoi ça sert de crier 777 fois? Si t'es pas capable de pardonner 7 fois 77 fois. Être chrétien, ce n'est pas l'être à l'extérieur. Défaut tes peurs intérieures deviennent tes extérieurs. Même si tu sais que c'est l'heure où les accusations du diable feront leur best-seller, faut que Jésus reste Seigneur. J'ai parfois peur d'être ce mauvais coureur, car manquer le ciel, cela glorifie. Frère, mes meilleurs textes s'écrivent dans la douleur, parce que c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. J'ai rien de plus que toi. Un jour tu seras peut-être déçu par mon comportement, car moi aussi j'ai besoin de Jésus. Mais je ne pars dans ce moment-là te rendre digne et comme neuf, car pour Christ, un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Il n'y avait pas deux crises, il n'y avait pas trois crises, il n'y avait pas quatre. Mais un seul a suffi pour dépasser les 1000 holocaustes de Salomon. Un seul a suffi pour payer chacun des sacrifices que tu fais. Voilà pourquoi il a déclaré, je préfère l'amour manifesté par Jésus de Nazareth que vos sacrifices. Alléluia. Avec ces paroles que le pasteur a fondamentées tout à l'heure. Laisse les en dire, écoute les choses vraies. Jésus-Christ t'aime, peu importe ce que tu as fait. C'est vrai que parfois on tombe, on passe loin du but, mais le Père est capable de rattraper n'importe qui de la chute. T'as beau aimer le Christ, à donf même au coup de vent, il y aura toujours des critiques, peu importe ton mouvement. Mais continue de fuir Sodome et bouge pour la Bible, car il n'y a que les statues de celles qui restent immobiles. Le monde voit la vie en noir et blanc depuis la crise. Pour voir la vie en rose, pour voir la vie en Christ. On ne brûle pas les étapes pour que l'esprit touche le ciel. Avant de faire la star, il faut d'abord faire les étincelles. Alléluia. C'est dans les choses vives que l'onction de Dieu se trouve. Regarde, une clé,
n'est jamais aussi grande que la porte qu'elle ouvre. Aspire à être Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Tu cherches un Dieu, mais tu trouveras un Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'était tout pour moi. Merci. Que Dieu bénisse la France. Je vous aime et Jésus vous aime.